Et salut les amis. Allez, comme chaque vendredi, on procède à l'énumération des nouveaux membres. On a eu Alex Thierrier niveau 1, Ilaus niveau 1, François Mathèse niveau 1, A Angelus niveau 2 et Loliso 64 niveau 3. Alors ceux qui sont niveau 3, directement dès que vous inscrivez, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées et vos choix de tokens que je vous envoie directement par la poste. Vous m'écrivez par Messenger de préférence sur Team Piloufasse. Vous avez le choix des tokens sur la page Facebook Team Piloufasse. Pareil, pour ceux que je vais tirer au sort, vous m'écrivez de la même façon. Et vous avez aussi les boosters à choisir sur la page Team Piloufasse Facebook. Donc du coup, ouais, tout ce mois-ci, tout est vendredi. On va encore célébrer les 5000 abonnés de la chaîne. On va faire donc du coup 10 gagnants. 15, c'était vraiment trop compliqué pour moi. On va faire 10 gagnants par semaine, simplement. C'est déjà quand même pas mal. Donc du coup, cette semaine, on a Mathieu Barbet, Vagabond, Le Maire Maxime, Alexandre Glorian, Damien Guibert, Croxy, Morgane Cusin, Andy Dadilt et Olivier Coussy. Comme d'habitude, tous les 10, vous m'écrivez par Messenger, vous faites vos choix de token ou votre choix de booster. Et bien sûr, vous m'écrivez vos coordonnées et je vous envoie tout ça par la poste. Hop, on a fini de ça. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie. Où est-ce que je suis? Je suis ici. Une partie, c'est la troisième ronde du tournoi d'entraînement qu'on a fait au petit monastère de l'Hérac. Je jouais Slim Foot et mon adversaire c'est Guillaume Villeneuve, que j'adore, un arbitre très très fair play, qui jouait son Ur-Dragon. Hop, je mets ici et c'est parti. C'est compliqué du coup. Tu peux commencer. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui commence. Attends. J'y vais, non, je peux pas gérer ça. Tu me permets. Voici ambiance vachement détendue avec lui. Oh, si. Ouais, je... Le mec, il est pire qu'une gonzesse, quoi. Il change avec 30 secondes. Je vais aller chercher un vert, blanc, rouge. À toi. Donc, j'ai fait un mulligan. Ça pioche. C'est lui qui commence. Ouais, mais non. Non, en fait, c'est nul à chier. Ouais, j'étais tout content. J'avais pioché un F de la charmille qui me permettait de peut-être faire quelque chose. Mais en fait, j'ai pas eu de forêt. Mono rouge. Tu veux pas jouer ça, tiens? Ouais, non. J'ai beaucoup râlé à cette game parce que à ce tournoi, j'ai vraiment pas eu de chance. Slimfoot, il y avait énormément de Slimfoot. Oui, mais ma version est très bizarre, t'as vu, il y a 40 anti-créatures. Tu peux jouer à Satya full créa. Hein. Non, je jouais. Donc là, du coup, c'était ouais, la journée où je me commençais à réfléchir à changer de deck. Trop bizarre, ouais. C'est fait exprès. Ouais. Après, Ur-Dragon, c'est un deck qui me fait très très mal. J'avais pris beaucoup de Satya dans la journée déjà. Et Ur-Dragon, c'est un deck avec beaucoup de créatures volantes. Je vais faire un trésor et à toi. Alors lui dit, quand il arrive, que tu crées un trésor. Chaque fois que vous attaquez, vous pouvez sacrifier au moins un trésor pour faire assis jusqu'à aux impératives avec un double initiative. Ouais, donc on entend beaucoup les joueurs d'à côté parce que ouais, la salle fait une sorte de déco. Est-ce que t'attends plus que Alain? Et puis moi en plus je suis assez discret en plus quand je joue, je reste assez calme. J'ai rien pigé non plus. Donc forcément on entend autant les autres que nous. Moi je connais. Je connais. Donc j'ai bien une forêt, mais c'est une forêt qui fera que du vert. Donc je pose mon pince crâne. Il joue pas Slimfoot, il a Slimfoot T2. Je peux pas. Ah non, c'est la merde, tu peux pas. Oui, je peux pas. Et ouais. Je ne peux pas. Non, merci. Même pas merci d'ailleurs. Rien que pour avoir émis l'idée, je te dis même pas merci. Le double unit, ça va me faire super mal, mais toi, tu auras 4 manas, tu vas pouvoir sortir un dragon qui coûte 5, mais qui sera sur coup 5-5. Ouais, il m'a déjà fait mal, j'ai affronté régulièrement, il m'a déjà fait mal avec sa double initiative quand sacrifier un trésor. Dur d'être. Donc j'hésite en fait à le tuer parce que c'est qu'une 2-2, mais son pouvoir peut être assez impressionnant. J'ai beaucoup anti-bêtes, donc je me suis dit, allez, je vais le cramer. Néanmoins, je pense que c'était une erreur. Vas-y. Parce qu'en général, ses trésors, il va plutôt les garder pour jouer un gros dragon. Pour 3, je vais jouer un Sion Dragon. En l'occurrence, ouais. Du noir, c'est pour ça qu'il me coûte 3. D'accord. À toi. Il ne coûte que 3 parce qu'il a toutes les couleurs, sauf le noir.
et que ça coûte un de moins parce qu'il y a Urdragon en éminence. Je vais perdre un. Je vais poser Slimfoot. Je peux enfin jouer Slimfoot. J'ai un sac probante. Mais c'est là où je regrette vraiment d'avoir gaspillé mon balafre de flamme sur une petite 2-2 alors que j'aurais pu très bien tuer le Sion Draco. Sion Draco, ça. Je vais équiper sa pro. Je vais de suite équiper sa pro. J'ai besoin de piocher. J'ai pas de solution pour l'instant. Vu que j'ai gaspillé ma balafre de flamme. Après, je joue beaucoup, beaucoup en Tibet. Il y aura nos decklists dans la description de la vidéo. Jouer un Bozeju pour 3. Je vais vouloir jouer un oiseau moqueur. Il arrive en tant que copie que Squee. D'accord. Je vais faire un. Sauf qu'il a le vol. Il a le vol et du coup, comme il a ses couleurs, il a vol, initiative, piétinement et lien de vie. Quoi ? Bah oui, c'est lui qui dit ça. Il est bleu en plus. S'il est bleu en plus, alors là, c'est encore mieux. Il est bleu, noir, rouge, vert. Ah, il est bleu ? Non. Bah lui, il est bleu, non ? Non, mais ça va. Il arrive en tant que n'importe quel. Non, il arrive comme une copie, donc c'est juste noir, rouge, vert. Il a juste le vol en plus, il n'est pas bleu. S'il était bleu, ça aurait été tellement broken. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal. C'est mes saprobiontes, c'est des écuries. Et en fait, tu dis qu'il a les deux capacités parce que c'est à cause de lui qu'il arrive. Ouais, parce qu'il a les mêmes couleurs, du coup. Okay. C'est une copie de cette carte. Okay. Donc, il a Scoot converti de mana. Et donc, du coup, il a initiative, lien de vie et piétinement. Et le vol, du coup. Il vole. Pour un, je vais faire une prison statique. Ouais. Cible ça. Ah, mais je vous dis, c'était la journée comme ça où les gars en face, ils avaient tout. C'est dessous où je fais. Ouais, c'est à toi de voir. Alors non seulement en plus j'ai fait une erreur de gaspiller ma barre full of flamme et en plus en face les gars ils avaient tout, c'était ça toute la journée, c'était horrible pour moi. On a fait deux tournois, deux petits tournois de 4 rondes de chacun et ça a été horrible tout ce qui s'est passé. Mais cette partie là par contre est magnifique. T'imagines j'aurais pris 8 si t'avais sacrifié le machin. Oui, il a toujours pas utilisé son trésor. C'est-à-dire que t'es encore plus fort. Donc finalement, est-ce que c'était vraiment une erreur d'avoir tué le petit 2-2 ? Parce qu'il m'aurait aussi attaqué avec le 2-2, avec le 4-4, j'aurais pris 10 au lieu de prendre 4. J'y aurais pas pensé. Merci. Je sais pas. Non, je suis con, parce que la barre flamme, elle m'aurait servi pour tuer le Sion Draco et pas tuer le petit 2-2. Ouais. Alors heureusement, je push ma chain lightning. Non, ceci de la balafre de flamme sur le 2-2, c'était une grosse erreur. Ouais, oui. Un tumulogolf. Donc il y a rituel, créature, terrain. Il est 3-4. Il est 3-4, il y a une vie. Et tu peux y aller. J'aurais peut-être la possibilité de remonter grâce à lui quelques points de vie. Passe à 1. Pour 2. Faire une sortie explosive là-dessus. Eh ben non. Oui. Non. Ah, c'est compliqué pour lui, parce qu'en plus, il est joueur et arbitre. Donc, du coup, il faisait aussi l'arbitre du tournoi. Je me suis amusé à faire des jetons cartes avec la carte Dora Exploratrice. Vous me direz si vous voulez, je vous les imprime. Je trouve ça rigolo. Ben ouais, faut s'attaquer avec les deux. Ou si je fais les anciens comme j'avais déjà fait. 2, 3, 4, 5. Fin de tour. Ouais, je commence à préparer une nouvelle édition de token qui sera disponible fin d'année. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Ouais, il venait de dire j'ai fait une clique parce que je suis quand même souvent considéré comme le roi du top deck. Mais là aujourd'hui c'était pas du tout ça. J'étais un petit peu dégoûté. Et si j'ai pas ma chance légendaire pour pouvoir gagner, ben c'est pas gagné. Parce que je joue pas ultra bien. Allez, l'Empereur Ordos. Mais on va certainement dans un asiatique à volonté. Oui, ça c'est notre petite tradition. Après chaque tournoi le dimanche, on fait un petit restaurant asiatique à volonté. Phase de combat, je vais m'exiler Tumulogolf. Ouais. Je vais l'adapter. Ouais. Marqueur et... Bah,
J'ai une réponse quand tu vas l'adapter. Encore un Tibet. Non, mais ça, il avait encore un Tibet. C'est un truc de malade, cette game. Attends. Bah non, non, ça, quand tu vas l'adapter, quand tu veux mettre les deux marqueurs en ciblant. Ah, lui Attends. Mais j'ai quand même. Tu mets les deux marqueurs. Ah oui, tu dois cibler, tu mets le golf. Ah ouais. Pas pour. Bah, si, sur lui quand même. Sur lui quand même. Ouais. Okay. Oui, parce que c'est une 4-4, comme ça, hop. Il fait trop tard. Okay. Il aura plus non, mais tu peux en venir. Non, 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 c'est bon. Ouais, c'est un joueur très, très fair-play, mais par contre, qui est très sévère envers lui-même. À chaque fois, au moins, un marque plus de 1. Et donc, en fait, du coup, je paye 2 pour adapter 2. Oui, mais en fait, réponse, en fait, toi, tu peux te dire que tu le... En fait, comme tu as mis les marqueurs et tu as déjà ciblé, j'avais déjà des informations supplémentaires. Bon, même si tu n'avais pas grand-chose à faire d'autre. Ouais. Hein, bon. Si, tu aurais pu... Bah non, tu n'avais pas grand-chose. Bah, si tu l'exiles en réponse, logiquement... Ah oui, c'est avec les marques. Je fais 2 points, je fais adapter 2. Ouais, tu mais peux répondre à cet effet. Je fais trop tard. Je fais trop tard. Moi aussi, j'ai envie de voir si, même si je le fais trop tard, c'est cette game, je peux l'avoir. Du coup, on est en phase de combat. Ouais, vous avez très très fair play. Ça fait plaisir. C'est vraiment l'esprit que j'aimerais voir sur cette chaîne. Ouais, et Terra. Donc, il est 4-5 contre. Donc, il est 4-5 quand même. Je vais quand même gagner 4. On va rééquilibrer à 13 partout. Je peux pas réactiver ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tu meules. Oui, en plus, il y a un effet, ouais, je crois. Autant de cartes. Non, mais je vous dis, c'est un joueur extrêmement fair-play. C'est ultra agréable de jouer contre lui. Il joue toujours des decks un petit peu hors normes. C'est quand il a infligé des blessures. Ouais. Et bien sûr, sur 4 cartes, j'ai mêlé aucune créature. Une carte de créature, par exemple. Créature, oui, forcément, j'ai pas de créature sur 4 cartes, c'est logique. Ouais, je reconnais que j'ai beaucoup râlé à cette partie, ouais. C'est pas mon style, mais là, j'ai vraiment pas eu de chance dans toute la journée. Normalement, là, c'est win. Là, quand il me dit c'est win, j'ai du mal à comprendre. Je suis quand même à 13 points de vie. Dégage la forêt, la réutiliser là-dessus. Ouais, comme ça. Piocher. Ah, bah non, il est exilé. On peut pas faire ça. Eh oui. Lui, il a un marqueur fatalité en fait. Hein. Ah oui, donc là-dessus. Eh oui. Donc là, je pioche 2. Mais là, normalement, c'est. J'essaie de trouver une solution, mais je n'en ai pas. Je suis à 13. Enfin, ça dépend ce que t'as en main. Tu peux encore faire des trucs. Tac, mais vas-y. Hein. Top. Ça c'est exilé. Pioche. Je vais vouloir faire un DT. C'est quoi tu vas chercher? Je vais aller chercher les bombardiers latéraux pour trouver les 14. Ah bah oui, tout simplement. Ouais. J'avais oublié. Bon. Au moins c'est rapide. J'ai peut-être un peu gaspillé mon blaffre de flamme. Ouais. Mais en fait ça dépend parce que lui. Si tu le gaspilles pas, des fois, ouais. En un tour, il te tue. T'as eu le trésor, tu l'as jamais utilisé, donc du coup, tu m'aurais. Si, j'ai utilisé la pour. Oui, que à la fin, ouais. Voilà. Parce que c'était pour ça. J'aurais pas fait. Ouais. Après, ça dépend, parce que si j'avais la carte qui te collait 20, j'aurais fait. Ouais. Je vais garder. Bon, 1-0 en tout cas pour Guillaume. Partie très rapide. Ce coup-ci, c'est moi qui commence. J'ai pas fait de mulligan. On va voir si je crois poser Simfoot tour 2 ce coup-ci. Ouais, donc là, c'est parfait. J'ai une taiga. Arrête de mettre ça à toi. Ah, il n'a pas eu l'anti-bête en plus pour mon dork, donc c'est parfait. Je vais pouvoir poser très rapidement Slimfoot. Et ce coup-ci, c'est peut-être moi qui vais être agressif et mener la danse. Pour battre Slimfoot, il faut les armes. Ouais, alors quand tu dis ça, et je sais très bien qu'il joue emporté, donc je vais me méfier. Je connais un petit peu son pack. Là, ce serait tentant de jouer Slimfoot, mais je suis quasiment sûr qu'il a emporté. Surtout vu ce qu'il a dit. Oh, peut-être qu'il bluffe, hein, mais... Grist. Je préfère tenter ouais. Grist. Je perds un point de vie, je vais aller chercher bon. Un blanc-bleu et dîme de mana. Et il joue à dîme de mana. Tu as été quasiment sûr, mais bon. Ouais. Il faut faire tomber les comptes, de toute façon, donc... Je vais pas attendre tout le temps qu'il ait, que j'ai un mana de plus pour lancer mes sorts. Je sais qu'il joue en portée. Je sais plus s'il joue encore Force Spike, mais je pense que oui. Et le pire, c'est qu'il a beaucoup de cartes qui font des trésors comme ça, et il a beaucoup de créatures rouges. Donc même Blood Moon, en fait, souvent je l'affrontais avec mon mono rouge, et je jouais Blood Moon, et ça ne faisait rien du tout. En fait, j'ai pas non plus envie de le tuer, sa marraine des herbes, parce que si on la tue, il refait un trésor. C'est une de ses cartes les plus fortes dans son pack. Elle coûte que 2 parce que c'est un dragon.
Et du coup, elle fait un trésor lorsqu'elle arrive, pardon, et elle en fait un quand elle meurt. Donc c'est un très bon bloqueur ou un très bon attaquant. Ce qui te fait arriver, arrive. T'es méchant, toi. Il est méchant, mais c'est méchant. Solitude en exilant Dromoka. Mettre d'abord en pile l'effet d'exilé, et celui de sacrifier. Ça change pas grand chose, mais au cas où. Okay, j'ai pas compris pourquoi il a joué Solitude sur. Phase d'attaque. À 3. En rituel, en tout cas. Ouais. Malheureusement, toi. Il était distorsion, je pouvais pas bloquer. Ah, il a pas pioché par contre troisième terrain. Donc faut surtout pas que je tue la marine des arts. J'ai surtout pas envie de te donner un token trésor qui peut partir très très vite. Hein. Je sais très bien que ça peut être très difficile. Ouh, alors ça c'est très fort dans ce deck. Vas-y. Mais d'ailleurs je joue comme ça, pardon, excuse-moi. Comme ça, il faut que je joue comme ça. Si tu permets. Oui, bien sûr. Et vas-y. Okay. Il est temps. Phase d'attaque à 3. Ouais, ça commence à être pénible, je prends 3 par tour à chaque fois. Il garde toujours ses terrains comme s'il y avait des contres. Alors, il joue peut-être en portée et je pense que depuis tout à l'heure en fait, il garde un petit peu un mana bleu dégagé ou un trésor disponible pour pouvoir faire emporter sur Simfoot. Je prends 3 de retard. Mais c'est compliqué de tourner autour. Je veux pas non plus tuer la marraine des arts parce qu'il va encore plus se développer. Il est un petit peu en retard au niveau des terrains. Survie du plus apte. Ouais. Encore une fois, comme ça, à chaque fois je plante. Normalement, j'ai pas le droit de mettre l'ignoble hiérarche caché sous le terrain. Il faut toujours le laisser au niveau des créatures. Oh. Bah, visiblement, s'il râle, c'est qu'il n'a pas pêché de terrain. Sacrifie, je vais vouloir jouer Zurgo Jutai. Vol célérité, défense talismanique, mais ce tour ils sont arrivés sur champ de bataille. Phase d'attaque. Lui, je peux pas le cibler, il y a une défense talismanique. La marine des arts commence à me mettre sévère. Là, je vais prendre 7 si je fais rien. Je passerai à 8, ça commence à être très risqué. J'ai plus le choix, ouais. Je vais faire un tiré sur le shérif. J'adore cette carte, je suis un des rares à la jouer, mais je joue beaucoup en Tibet. 2-3. Je vais mettre ça dans ma main. Oh, c'est dommage d'enlever ça, mais bon, tant pis. Est-ce que je me le remonte? Voilà, hop, j'ai remis l'ignoble RH là où il doit être. T'as beaucoup d'anticipation. T'as combien de cartes en main là? 2. Alors je le laisse et je vais lander. À toi. En fait, en le laissant, l'avantage c'est qu'il met toujours la pression et qu'il m'oblige en fait à avoir une anti-créature directement sur Zurgo Yojutai. Caveau. La furie là-dessus. Voilà, c'est parfait, j'ai la furie en plus. Quand elle arrive, sacrifier, et je vais faire une fin du compte sur la capa. Ouais, mais je vous dis, il a tout. Vous avez tous les gars ce soir, vas-y. Ça a été une journée comme ça tout le temps. Tu as tout ou t'as rien? Je sais pas, c'est une bonne carte quand même, mais vous avez tout, je suis désolé. Phase d'attaque. Je pensais être tranquille avec ma furie. Ça vole encore ta merde. Bah oui. 2-3. Je reprends 4, il refait un trigger. Il fait une petite impulsion. On a tout. Je joue mono rouge, vous m'énervez. Pour un. Vous m'avez énervé. Je joue à ta figure. Ouais, je me disais, j'ai beaucoup râlé. Arrêtez tout. J'ai beaucoup râlé à cette partie. C'est normal. Et puis. Fin de tour, attends. Le mec, il a encore gavé de contre en main en plus. Mais tout, j'ai tout. Oh, on rigole bien. Je râle, mais attends, je râle en rigolant 5, quand même. 3, 4, 5, oui, c'est bon. On s'entend super bien, Guillaume. Terminate. Je fais une Terminate sur Zurgo Yojutai. T'as tout, putain. Il a tout. Bon, après, l'avantage est que le 4-5 il ne vole pas, donc je peux encore le gérer. Je fais 7. Boum, je me pique en plus avec un Ravland. Tentez, c'est le foot. Vas-y, c'est ton contre. T'as un mec qui a marre de contrer. Quand tu le lances, allez. Ouais. Je vais vouloir faire une disloc. Sûr. Une dislocation sur la fureur. Pas trop.
Tu veux pas la sacrifier pour mettre un quand même? Si, au chocolat. Oui, ça c'est du fair play. C'est mignon. Ah merde, je pensais que j'avais gagné, mais il me manque un truc. Oh le con, j'ai crié victoire trop tôt. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Ah, il lui manque un mana rouge pour faire son gros dragon. Trigger, trésor. Mais elle l'aura au prochain tour. Et puis fin de tour à toi. Il doit voir son dragon 6-5 là, qui amène un dragon sur la table. Après, tant qu'il n'a pas de volant, je suis tranquille, mais elle joue beaucoup de créatures volantes et certaines sont même célérité, donc c'est compliqué pour moi. Je vais défausser Tarmogoyf avec la survie du plus apte. Je vais chercher le classique Chaos Defiler. Je vais le lancer, ouais. Et là, après, c'est très très bien parce que Chaos Defiler en combinaison avec Bombardement des Gobelins et Simfoot, bah, je suis vraiment bien. Te casser lui. Je peux casser ça, même s'il lance son dragon, je peux sacrifier Chaos Defiler avec Bombardement des Gobelins et tuer le dragon. Toi après le faire revenir avec Slimfoot. Il y a un trigger qui est dans sa proviante. Donc il prend 4, il y a sa proviante qui arrive, il passe à 10. Et fin de tour. Et là je suis ultra bien en fait. Chaos Defiler et Bombardement des Gobelins. Ça va tout gérer. Perdu. Non, j'ai perdu de toute façon. Oui, il a le fameux dragon qui ramène son Ur Dragon, mais moi, j'ai plus qu'à sacrifier Chaos Defiler sur Bombardement des Gobelins. Ah, j'ai écrit victoire trop tôt. Et ça casse son Ur Dragon. Ben, ça casse son dragon avant le phase d'attaque. Grève inondée, fetch, triomphe de Savaille. À toi. Okay. Donc, il commence, va chercher un triomphe. Takenuma. Pas de dork. Takenuma. Ok, vas-y. D'étape. Et ouais, en main, j'ai une étendue l'utopie, mais j'ai pas de forêt. Okay. J'ai pas mal hésité à mulliguer, ouais, parce que du coup, j'aurais voulu être très agressif pour pouvoir l'affronter, mais j'avais pas une si mauvaise main que ça. Et du coup, je suis obligé de faire l'étendue du topus sur ma propre taïga que je viens de poser. Ouais. Je viens de la piocher que maintenant. Noir. Ok, vas-y. Pour deux, t'as un petit pack. Ah, il a encore ce fameux dragon là. C'est ça, c'est ce dragon qui fait venir une dragon et qui met 10 d'un coup, plus poser une carte de sa main. Quand même plutôt pas mauvais. Ça. Je vais jouer une brousse. Pour un, je vais jouer un sion de dragon. Pour un invoque. Oui. Ok. Parce que là, il a toutes les couleurs, donc du coup, ça lui coûte 10 de moins. Et comme il y a Ur-Dragon, il y a l'éminence qui dit que ses dragons coûtent 1 de moins. Et donc, du coup, le Sion de Draco lui coûte que 1. 4-4 vols. Ah, j'aime bien son deck, il est sympathique. Je vais noir. Je vais tenter Slimfoot. Yeah. Avec sa proviante. Et tu peux y aller. Fin de tour, j'ai un Chaos Defiler en main. Une sortie explosive sur Slimfoot. Ça le tue et je fais deux jetons en carte. Hein. Ouais. Choisis où tu le mets. Il y a beaucoup d'antibêtes aussi, donc j'hésite à le mettre en zone de commandement ou à le mettre en au cimetière. Je vais mettre en zone. En cimetière, pardon. Okay. Merci.
D'étape. Ouais. Pioche. C'est risqué, mais j'ai un mot de caveau en main. Donc, du coup, à tout moment, même s'il me tue sa probiante, j'ai pas trop mal. 4, c'est pris. 2, 3, 4. Pour 2, je vais faire un précepteur diabolique. C'est chaud. Je mets ça dans ma main. À toi. Et là, en fait, si tu allais chercher la reine de gloire, j'ai perdu. Parce qu'il va poser son dragon. Et il peut me mettre 16 d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour moi, la partie est finie déjà là. Pour 6. Non, pour 5. Pour 5, 1, 2, 3, je pour 5, je vais pas la tour Phyrexiane, je ne l'utilise pas pour sacrifier une créature. Je vais jouer mon Chaos Defiler, je vais tuer le Sion de Draco déjà. Non, je vais prendre ce que j'étais allé chercher. Fetcher. Je vais faire une fin du compte sur la capa. Okay. Et c'est ça qui était allé chercher. Et ça m'a vraiment surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que tu sois allé chercher une reine de gloire. J'allais chercher ça parce que je pensais que tu avais un anti-bête. Tu gardais toujours un noir. Mais tu dis il a un anti-bête et du coup j'aurais pas l'étal si je fais ça. D'accord. Je préfère. Parce que je pensais que tu allais sacrifier ce truc. J'allais chercher ça, ouais. Je pense pas finalement, peut-être en réfléchissant. Ouais, c'est plutôt fort. Mais je perds 2. Je vais jouer ce coup l'enfer. Ça d'attaque. Toucher 2. Assez bourrin. Et... ouais, une fureur. La démonstration. 4 là. Et je vous propose 14. 14. Fin de tour. Vervé en zone. Non. Je suis à 2. Ah ouais, 4. Ouais, moi, j'étais à 16. Ouais, j'ai pris 14, j'étais à 16. Donc. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Comme vous pouvez le voir, il reste encore 10 minutes. Ça, c'est un peu la meilleure carte du pack. Enfin. La partie n'est pas finie. Il sort. Déjà, lui, je peux tuer du vice. Ah merde! Quoi? Bonsoir. C'était encore pire. Parce qu'en fait, lui, il avait vigilance, défense tale, lien de vie. Et tout ça. Bon, ah, t'as lien de vie aussi, mais gagne 10. Ouais, bah non. Bah vas-y, gagne 10 ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cahou, tu vois, oui, c'est lui qui faisait ça. Ouais. C'est compliqué pour toi. Là-bas. Donc, je réfléchis beaucoup. Ouais, donc là, j'ai un... ah bon? Ouais. J'ai un peu accéléré la partie. Ma phase de réflexion était un peu plus longue que prévu. Ça provient ta rame, mais. Que tu. Ouais, ça me paraît quand même chaud. Mais... il était trop sûr de lui, le petit Guillaume. Trop sûr de lui. Yeah. Je prends 5. Même au que sacrifier. Ouais. Lui, faire deux noirs. Ouais. Je vais péter lui. Ok. Je veux savoir déjà si je l'éteins. La meilleure de Laetitia. Mout de caveau. Oh, et voilà, c'est comme ça que je vois vraiment sa probiante. Bon, là, ça change des choses. Un rouge, un vert, et deux noirs. Il me restera un noir. Ouais. D'accord. Je vais avec le noir qui me reste, je vais activer Mout de caveau. Ouais. De toute façon, il n'y a aucun intérêt. Je garde le noir. Je garde le noir. Je vais prendre un incolore pour l'activer. Ouais. Et du coup, je fais sa capacité. Sacrifie le mot de caveau. Je vais revenir ça, ça et un saprobionte. Avec lui, je vais casser le volant. Voilà, comme ça, je me suis débarrassé des deux créatures volantes. Il me reste toujours un noir. Un noir. C'est là où on voit la puissance de Slimfoot. Hein. Et Chaos Defiler aussi, bien entendu. Surtout Chaos Defiler. J'adore cette carte. Pour deux. Je vais mettre Archiroc, je te colle un et je fais un token, machin chouette. Il ne faut pas que tu le volant qui est là si je suis mort. Vas-y. Ouais, là c'est le tour où s'il pioche un volant, je perds. S'il pioche pas de volant, mais franchement, je pense être bien. Voilà, désormais, à tout moment, je pourrais sacrifier le Chaos Defiler avec la tour Phyrexiane et lui casser donc sa créature qui me pose. 4 cartes en main. Ouais. Je m'avoue pas vaincu si facilement, t'as vu? Ouais, je vois ça. 3, je vais juste tenter une 3-3 vol. La pas la sérité? Non. Ça me va. Vol piète. Donc ça va. À toi. Pour 3 navaux, peut-être.
Ouais, parce que si tu sacrifies des bêtes, moi je vais sacrifier aussi, j'ai pas trop envie. Eh ouais, il faut surtout pas qu'il me fasse sacrifier le Cozy Filer. Je suis en train de la perdre, ça, la fin. T'es en train de la perdre. Et en plus, j'ai une résilience en main qui me permettra de bloquer à tout moment une créature volante. Qu'elle a porté. Et tout s'est joué sur la carte que je suis allé chercher quand j'aurais jamais. Ouais, il serait cherché Arène de Gloire, il avait gagné, je pense, franchement. Enfin, c'est même pas je pense, il avait gagné. Oui, mais je pensais que t'as un anti-bet. Il juste 3-3 vols, c'est tout. Hein. C'était pareil. Ouais. 3-3 vols. Ouais. Fatigué. 3-3 vols piètes. Bon, faut utiliser la carte, là. Ah, c'est la carte. Je peux faire ton petit truc. Là, quel truc là. Ah oui, ça, oui, c'est toujours. Moi, je me suis plaisir, fait ce... cette petite illustration d'aura. Non, c'est un terrain. Terrain, c'est dans ta main. Ta main. Je peux le faire une seconde fois. Ça deux. Finalement, les 10 points de vie, ils étaient intéressants. Ouais, heureusement que on les a mis, les 10 points de vie en plus. Oula. On va attaquer. Ouais. Rentrer en face de bloc. Pas de bloc. Tu prendrais 8. Ouais. Prends 8. 4, 5, 6, 7, 8. Et l'âme de Lianowar. Vas-y. Fetch. Ouais. Je peux pas trop boubouiter, je suis obligé d'attendre. Ça, c'est considéré comme étant lié au cimetière, non? La carte, non. Ça dépend. Quand j'ai sacrifié, il est parti au cimetière. Hein. Parti au cimetière, mais c'est pas une carte de permanent qui est dans ton cimetière. D'accord. J'ai ça parce que j'ai une poussée fatale pour pouvoir tuer son 3-3 volant. Non, vas-y. Ok. Pioche. Il pioche quand même beaucoup de land. Phase d'attaque. Mmh. Bon, il peut toujours m'attaquer avec le volant. Il sait qu'à tout moment, de toute façon, moi je vais pouvoir juste avec le tuer. Putain, j'étais con. Ouais. Si on c'est pas grave, tant pis. Ouais. Ça, c'était une erreur aussi. Sachant que j'ai résilience en main, j'aurais très bien pu poser résilience et bloquer. Deux noirs. Ouais. Il va aller au cimetière, il y a un effet déclenché. En réponse à l'effet déclenché. Là, j'ai gaspillé ma Fatal Push. Fatal ouais. Là-dessus. Ok. Et pour son effet déclenché, je vais choisir la Fury. Donc, je suis physique, je pose résilience qui est bloquée. Je vais regarder une Fatal Push. Oui, une voie du renouveau. T'as 11. Hein. Ouais. Et du coup, si j'avais ça, si j'avais fait ça, à mon tour, j'aurais pu je vais jouer faire une poussée fatale sur sa voie de la résurgence. Sur ton cimetière. Et le Chaos des Fallers aurait été encore là. Et je pense que du coup, je l'aurais tué. Bref, il aurait bloqué 1, 3, 3, il aurait pris 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Il serait mort si j'avais bien joué ce tour-ci là. Ouais. Si j'avais bloqué juste la créature 3-3 avec la résilience, je garde un poussée fatale pour mon tour là pour lui tuer. Bon, c'est même pas utile de lui tuer son truc là ce tour-ci. J'attaquais avec tout, j'avais la 5-4 en plus. Ce fut une erreur. Après, je me sentais quand même bien là, on va dire. Sur l'orc armé. Ok. C'est soit au cimetière, soit au-dessus, et il y a un marqueur. Ok. Il y a un deuxième marqueur. Tac. T'es à 11. Tu l'as laissé au-dessus. Je me tâte. En fait, j'ai une souris du plus apte en main. Ouais. Je me dis peut-être qu'au prochain tour. Pardon, phase de combat ? Ouais. Je pourrais chercher un bombardement de un bombardier. Là qui est morte. Là, il faut attaquer avec tout et surtout garder résilience, bien sûr. Ah,
club. Donc ma fille a décidé de regarder de nouveau Ouais, c'est dommage, j'ai raté l'étal là. Néant sacrifié un peu trop tôt mon Cody Filer. C'est quand même une 5-4 piétinement, faut pas l'oublier. Ouais, comme ça. J'ai un autre sapro qui arrive. Une bloque. Ok, ça, ça meurt. Tu prends 1, 2, 3, 4, 5. Phoenix X. Ouais. Pour l'instant, 1. Ouais, j'ai fait ce petit token élémental rigolo. Mais on avait rigolé avec les gars du Discord quand on avait parlé élémental râpé, élémental. Donc voilà, bon, je pense pas que je l'imprimerai celui-ci, bon, à moins que vous en vouliez, mais c'était plus pour rire qu'autre chose. Sacrifier lui. Je fais deux noirs en sacrifiant un Slim Foot. Un rouge, un vert. Slim Foot, c'est trop fort sur le papier. Mais non, c'est pas trop fort sur le papier. Je vais sacrifier un Saprobion de 4 attaqué. Je vais faire revenir Slimfoot et Kaosé Filer pour tuer son petit 1-1. Je fais de la merde parce que je me croyais trop serein, c'est tout. Je vais te le casser. Ouais. J'ai un autre Sapro qui est arrivé. Et là, du coup, j'ai une résilience qui peut bloquer les créatures sérité. Je suis à 2. Je crois pas qu'il y ait de créatures sérité piétinement dans son deck. Vas-y. Donc, logiquement. Non! Mais quel enculé! Un trigger, si je joue pas la carte, tu prends 2. Sans deck. Oui. Sans deck. C'est ce qu'on appelle le top deck. Le mec, on l'entendait pas, il était comme ça vite. Il a pas lâché un mot depuis 10 minutes. Eh ouais, ça arrive. Je peux même pas le contrer, rien du tout. Ouais. En fait, j'avais une souris. Ça, je voulais chercher ensuite un bombardier. Non, mais déjà, j'ai très très mal joué. Déjà, j'aurais dû ne jamais sacrifier mon Kaosé Filer. Là aussi, peut-être que j'aurais dû tourner autour de la souris du Pizapte en allant chercher peut-être. Attends, j'ai pas pioché de créature depuis un petit temps. Donc, ouais. Le coup de survie ne faisait rien pour aller chercher le bombardier. J'avais pas pioché de créature, mais. Ouais. Mais l'erreur au tour dernier où j'ai pas bloqué avec les résiliences, la 3-3 volante. Oui, à tour avant, il fallait que je fasse le tour avant. J'avais l'emporté, j'avais le compte dans la main. Mais... Ouais, il avait un contre encore, le petit filou. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Mais ouais, très très sympathique. Deck à la Kelly, ah ouais. Ouais, très beau top deck. On se retrouve lundi pour la quatrième et dernière ronde de ce petit tour d'entraînement. Et la semaine prochaine, on attaquera donc du coup mon nouveau deck. Après ce tournoi, j'ai arrêté Steam Foot. À bientôt, bye bye.